Allez, on arrange son petit casque, on le pose sur la tête, on prend sa petite bouteille d'eau, on la pose à côté de soi, on s'installe bien confortablement, on prend sa souris, et c'est parti. Salut tout le monde, c'est Oniox. Allez, on continue ce Let's Play partie 3, la suite de Return to Castle Wolfenstein. Alors, voilà, on s'était arrêté, on était descendu d'ici, au deuxième Let's Play. On est descendu dans une crypte, apparemment, où les nazis ont fait des expériences, sur, des artefacts retrouvés près du château de Wolfenstein. Et donc nous voilà descendus dans cette crypte démoniaque pour voir ce qui s'y passe. Allez, on s'était arrêté exactement ici, j'avais fait une save juste là. Donc voilà, on se retrouve de quelques jours après. Oh putain. Qu'est-ce que c'est? Des éboulements. Ah, tiens, ça commence bien. On se retrouve 2-3 jours après l'enregistrement de la seconde vidéo. Et là, putain, apparemment. Ah, mais ça, c'est les nazis qu'on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure. L'autre fois, dans la seconde vidéo du Let's Play. Dans la cinématique, en fait. Et là, apparemment, ils se font attaquer par des zombies. Plutôt des revenants. Des revenants avec des boucliers, des épées. On va regarder. Hein. Apparemment, c'est un truc scripté. Ah, ouais, d'accord. Donc, les nazis se font bien, bien niquer la gueule. Putain. Alors, il reste plus que les revenants. Ah bah apparemment ça s'est éboulé derrière moi, il y a un passage qui... On ne peut plus revenir en arrière, on est obligé d'avancer. Tiens, qu'est-ce qu'on peut péter ce truc? Ah non, pas la jumelle. Coup de pied. Non, on peut pas, par contre, attends, 2 secondes, je vais ranger mon casque, parce qu'il se barre en couille un petit peu. Voilà, bon, c'est bon, j'ai arrangé le truc. Alors, ouais, je disais, apparemment, ils se sont tous fait niquer. Est-ce qu'ils sont les zombies? Ah, mais ils ont carrément tué les revenants, là. Ah, tiens, apparemment je peux péter un truc, là. Qu'est-ce que c'est? Ah bon, tiens, je peux péter les... Je peux péter le plafond? Non, c'est bizarre. Il n'y a que des coins que je peux péter, en fait. C'est bizarre, tiens. Pourquoi je peux péter ça? On sait pas. Mais bon. Alors, on a quoi comme équipement? J'espère qu'on a gardé notre équipement qu'on avait à la fin de la seconde vidéo. Exactement, on a tout gardé. Ouais. Bah, on a tout gardé, c'est cool. Allez, c'est parti, on va descendre. Apparemment, ils sont en bas, vous le voyez. Il y en a un juste derrière ce pylône, là. Que je fasse très attention, je descends avec la Gatling de base et je fais gaffe parce qu'apparemment ils ont l'air super solides. Putain, qu'est-ce qu'il a lui? Il a des crânes. Alors lui, il a un bouclier. Est-ce qu'il peut se protéger? Ah putain! Merde, des crânes peuvent me tuer! Merde! Bordel de merde! J'évite les crânes. Ah ouais, carrément il a explosé! C'est énorme! Il a carrément explosé. Ah, tiens, bon, ils ont l'air. Ils ont l'air d'être pas très très vivaces, les zombies. J'ai pas envie d'appeler ça les zombies parce qu'ils ont des boucliers, des épées. Les revenants, ils ont pas l'air d'être très vifs. Donc bon, tant mieux. Hein. Ils ont l'air super balèzes parce qu'ils ont niqué des nazis et des nazis, ils étaient déjà balèzes dans le jeu. Ah tiens, on peut péter ce truc. C'est des bouts de pierre. Okay. Ah, il y a un document. Chère Madame Blavatsky, les premiers repérages concordants. Je lis très très mal parce que, comme je vous ai dit dans la première vidéo, je lis en mode fenêtre. Le jeu est en mode fenêtre, il est tout petit. Faut que je m'approche et que je mette des jumelles pour pouvoir lire. Blabla, les talismans sont les mêmes que ceux relevés sur le tombeau du chevalier noir à Holstein. Je pense pouvoir affirmer que nous avons trouvé le tombeau numéro 3. Après toutes ces années, nous arrivons au terme de la phase 1. Blablabla. Conditions ici sont. Blablabla. Bon, apparemment, ils ont découvert un truc chelou. Ouais. Donc, bon. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Un medikit, mais je peux pas le prendre. Je suis full vie. Là, les nazis sont morts. Les revenants aussi. Bon, on avance, putain, mon dieu. On est là depuis déjà quelques minutes. Et on n'a rien fait. Oh, putain, il y a juste un là. Oh, mon dieu. Je sais pas vu. Est-ce qu'il peut se protéger, tiens? Allez, carrément. C'est bon, je l'ai buté. Bon, ils ont pas l'air d'être super vifs. Ils sont très lents, donc tant mieux. Ah merde! Pourquoi je me fais attaquer là? Pourquoi je me suis fait attaquer? J'ai pas compris là. Je lui ai tiré dessus? Quelqu'un m'a touché? Est-ce que c'est celui-là? Non, apparemment. Mais c'est bizarre, je me suis fait attaquer alors que... Bizarrement, il y avait rien autour. Bon, est-ce qu'ils sont plus. Ah, un script apparemment à la Half-Life. Le nazi se fait courser par des revenants. Putain. Il va se faire niquer la gueule, je pense, dans pas longtemps. Ah ouais.
Ah d'accord. On l'entend crier apparemment, c'est peut-être lui. Et là, vous voyez que ça commence à être bien gore le jeu. Alors voilà, les Wolfenstein, toujours été ça. Hein. Au départ, c'est toujours une histoire très premier degré, très. Oh là là, les renards sont en train de bouffer de la chair humaine. Ah putain, pas eux. Ils nous balancent leur crâne et leur crâne font super. Hein. Alors il y en a une qui m'a touché. Je disais donc que ouais, les Wolfenstein ont toujours été comme ça. Au départ, c'est toujours une histoire un peu classique, un shoot un peu classique où on est dans un château, etc. Et par la suite, ça devient très dans le paranormal et très bizarre et très gore surtout. Voilà, par exemple, ce nazi qui s'est fait bouffer, Berk. Bon, les textures, c'est un peu cubique, etc. Mais le jeu est sorti en 2001, je le rappelle, mais c'est très très gore. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Tiens. Oula, il y a des pics par terre. Faire gaffe. Une porte là, tiens. Bon, je vais pas tenter, on va essayer de sauter en avant. Ya! On peut péter. Alors comme je disais, il y a une barre bleue en dessous du symbole qui nous indique qu'on peut péter ce truc. Et la barre bleue indique le niveau de santé entre guillemets de l'objet qu'on veut péter. Oh putain, lui, je crois qu'il allait se lever. Ah putain, il s'est levé carrément. Donc ouais. Alors, on est dans. Les phases dans la crypte sont assez originales. Hein. Franchement, moi j'aime bien dans ce FPS, c'est qu'il y a des phases assez originales. Genre, rien là. Est-ce qu'on peut tester? Non. Des phases originales par rapport au début du jeu. Et ça, c'est cool. Alors, un levier. On active. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait couille. Bon, ça fait absolument rien. Ici, ok. Ça n'a pas fait des pics en bas, non. On sautait. Alors. Ouais, ça, cette porte s'est fermée. Tiens, on peut péter ça. Ok, pour rien. On pète des trucs depuis tout à l'heure, tiens. Oh, il y a ça. Il y a un truc qu'on peut péter, non? Non, il y a un levier juste là, mais. On peut l'activer qui n'était pas là tout à l'heure, apparemment. Donc, qu'est-ce que ça a fait? Oh, tiens, ça a baissé les pics. Génial. Donc, ouais. Assez original ces phases-là. Oh putain, ils sont vite. Oh putain, il y en a un derrière moi, merde. Enculé, je l'ai entendu venir. Mais pourquoi je me fais attaquer, bordel? C'est son bouclier qui renvoie les balles ou quoi? Je vais tirer dans les pieds. Apparemment, leur bouclier renvoie les balles qu'on leur tire dessus, donc ouais, et là, il a pas l'air d'être mort. Hein, parce que tout à l'heure, lui, il s'est levé, là. Bon, on va essayer. Ils sont pas très vifs. Mais ils font super mal quand ils nous attaquent et ils sont apparemment très résistants parce qu'il leur faut énormément de balles pour les niquer quoi. Donc là, ah ouais, c'est super beau quand même, c'est super joli là. L'ambiance sonore est pas mal, les musiques sont cool et là les décors sont super bien faits. Je commence à bien aimer ce niveau de la crypte. C'est super bon, en plus c'est un effet de brouillard. Je pense qu'il a été fait exprès, hein, ça a été pas voulu parce que depuis le départ on n'a pas eu de brouillard. Ah, regardez, c'est super beau ces effets de lumière, etc. Oh, ça a l'air super joli pour un jeu sortant de là. Oh, putain. Alors, à chaque fois qu'on entend ces bruits-là, c'est qu'ils sortent d'un mur ou de sol. Ou du sol. Putain. Bon, ouais, ils courent à deux à l'heure quand même. Ouais, c'est un peu. Ouais, ils sont pas très vifs. Mais. Ils vous surprennent par leur apparition. Dirons-nous. Alors. Le nazi est mort. Par moyen de levier ici active. Ah, on peut fermer et ouvrir. Ah non, là c'est ouvert complètement, je peux plus le fermer. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Faut faire attention. Par moyen d'escalier. Ah oui, certains commentaires m'ont fait gare lors de ma seconde vidéo que je bougeais pas mal avec le personnage et que ça donnait envie de vomir parfois. Donc je vais essayer de faire très attention. Pas trop bouger, mais en même temps, que voulez-vous, c'est des FPS, c'est donc les FPS, c'est fait pour bouger, sinon si on reste statique, on se fait niquer la gueule. Donc je vais essayer de faire attention de ne pas trop bouger, mais voilà, où est-ce qu'on est là? Ouais, bon, oh putain! Oh, ça m'a. Alors ça, c'est bien joué, ça m'a surpris, je m'y attendais pas du tout. Putain, c'est rempli de revenants. Ils ont pas l'air super vivaces les zombies quand même, les revenants là. Autant la première partie du jeu là au début, quand on était dans le château, etc., les soldats étaient très vifs. Est-ce qu'on peut ouvrir cette porte? Non.
Mais là, oh putain, il y en a un autre. Alors lui, avec le bouclier, vraiment. Ah ouais, putain, ouais, c'est. Merde, il y en a un derrière moi. Culé. Ah, c'est bien ce que je pensais. Il renvoie les balles. Putain, mais ils crèvent pas ou quoi? Ils sont super solides, quoi. C'est revenant. Ah ouais, putain, ils sont super solides, quoi. J'aurais plus de balles avant la fin de ce chapitre, quoi. C'est hallucinant. Et là, pourquoi ils ont pas éclaté ce qu'ils sont morts? Tiens, ceux-là, ils ont une armure complète. En gros, apparemment, les nazis ont... Ah bah tiens, la porte est ouverte. Ils ont découvert quelque chose d'assez bizarre. Ils ont fait revenir des morts. Et... Ah. Je ne sais pas, mais j'ai pas envie d'aller vérifier. Des nazis, apparemment. Est-ce qu'ils vont m'attaquer, tiens? Mais pourquoi ils m'attaquent? Ils sont cons, eux! Mais c'est pas moi, le zombie! Bordel de merde! M'attaquez pas à moi! En plus, je n'ai plus énormément de... Putain, voilà, eux, les nazis sont très vifs. Ils viennent nous débusquer quand on se planque. Je m'y attendais, mais ils sont moins solides que les zombies. Mais ils sont complètement cons, ces nazis, là. Au lieu qu'on s'entraide, bon... collaborer avec des nazis, ça c'est pas très... comment dire... c'est pas très... c'est pas très catholique, hein, de collaborer avec des nazis. Bon, en même temps, je veux dire, à l'époque, il y avait eu des collabos, mais là, dans un cas de force majeure, quand il y a des zombies, on devrait pouvoir s'entraider, mais non. Les nazis, ça s'entraide pas. Tant pis pour vous, écoutez. Ah, mais j'ai ramassé un truc. Journal du docteur. Je sais pas quoi, j'ai pas eu le temps de lire. Ah, tiens, j'ai un petit Z. J'ai un petit Z sur le côté. Oh putain! Et des zombies. Bordel, je les ai pas eu avec leur crâne de merde. C'est pas des zombies, hein. C'est plus d'un. Est-ce qu'on peut leur mettre des coups de pied, tiens? Oh putain, on va faire le malin, là. Je vais le buter. Par contre, ils éclatent en sac d'os. Avec des ossements un peu partout. Tiens, les ossements, ils restent. Oh, c'est pas mal, ça. Ça disparaît pas. Je disais... qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai eu un Z là, vous voyez. Putain, il y en a deux autres. Putain, ça s'arrête jamais. Je vais changer d'arme parce qu'apparemment j'ai plus beaucoup de balles avec celle-là. Tiens, je vais prendre la Thompson qui est assez puissante. Ah ouais, effectivement, c'est beaucoup plus rapide de les niquer avec la Thompson qu'avec la... l'arme des nazis. Mais allez, je vise les gens en bas parce qu'apparemment leur bouclier renvoie les balles. Donc bon, faut très attention, tiens. Des tombeaux. Génial, des grenades. Allez, prends-les. Bon, je dois être full grenade, hein, vraiment. Par contre, là, j'ai plus beaucoup de balles. Je vais prendre celle-ci. Même si elle se réchauffe. Donc, faut le savoir l'utiliser. Je suis full lui, donc ça sert strictement à rien. Ce que je fais, des petits ralentissements. Merci, Fraps. Comme je le dis à chaque fois, quand on capture avec Fraps, j'ai toujours des ralentissements. C'est un truc de fou. Je comprends pas. Normalement, je devrais pouvoir jouer sans avoir de ralentissement. Avec mon PC, un vieux jeu. Je joue à des jeux plus récents avec Fraps et ça ne lag pas, mais avec ce jeu-là, ça lag. Parfois des petits ralentissements bien pourraves, qui s'est apparemment découvert un truc chelou. Oui, je disais, putain, j'arrête pas de me couper. J'ai un petit Z sur le côté là, c'est apparemment, j'ai ramassé un journal. Je sais pas comment y accéder pour lire. Parce qu'on n'a pas d'inventaire. Peut-être que si, avec la touche N, ici, pour voir l'émission. Trouver le journal du professeur Zemf. Ah ouais, voilà, c'est nos missions en fait. J'ai retrouvé le journal, apparemment je l'ai. Et là, traquer les membres de la division paranormale dans les catacombes. Selon les membres du cercle Carso, ces catacombes serpentent sous l'ensemble de Wolfburg. Putain, j'ai du mal avec les mots allemands, bon, on s'en fout. Voilà, j'ai récupéré le journal. Et là, il faut que j'élimine les forces... forces armées allemandes, putain. Je l'ai buté, mais mon arme a surchauffé au moment où je l'ai niqué. Faut faire très attention avec cette arme, de bien gérer les musiques qui servent à rien. Oh putain, il y en a partout, bordel. Ouais, j'évite un peu des crânes, même si on les voit pas. Il est mort ce con. Pourquoi il y en a qui explosent et d'autres non? Oh putain, ça m'a surpris. Comment il a explosé, quoi? Oh putain. C'est un truc de dingue. Bon, il y en a qui explosent, non. Apparemment, ceux qui ont des armures, ils explosent pas. J'ai plus beaucoup de balles. Est-ce que ça va céder, ça? J'ai peur que ça tombe comme tout à l'heure. Non, non, c'est pas, ça va pas céder, mais... Les ennemis sont pour le lugger, mais apparemment. Putain, là, c'est l'arce... Je fais harceler de partout. Toutes parts. Voilà, j'entends des coups de feu. Je sais pas si c'est des coups de feu ou pas. Bon, écoutez au fond. Entendez des petits coups de feu. Bizarre. Ouais, effectivement, il y a des coups de feu.
Avant des nazis se font défoncer la gueule. Ah, tiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont enfermés dans cette pièce? Putain, ils nous ont enfermés. Ils nous ont enfermés, c'est celle des nazis. Putain, il y en a un sur le côté. Je prends la Thompson. Ah ouais, d'accord. Oh, c'est inquiétant. Ils ont bien enfermé ici avec des zombies de toutes parts. Putain. Ah, ok. Donc là, peut-être une énigme ou je ne sais quoi. Oh putain! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain! Oh! Mais putain de merde, mais qu'est-ce que c'est que ce zombie là? Attendez, je vais lui balancer une grenade dans la gueule. Il me reste que 4 points de vie. Il crache du feu, bordel de merde. Ah ouais, d'accord, carrément, c'est un boss. Allez, explose! Ok, d'accord, super. Première mort du jeu! Ouais! Putain, qu'est-ce que c'était que ce bordel là? Oh non, j'ai pas sauvegardé. J'espère qu'il y a un checkpoint. Oh! Ouh. Oh non, on doit se taper tout depuis le début. C'est génial, c'est super. Putain de merde. Oh là 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 là! Bon, allez, on va speeder. Parce que là, je veux pas mettre 107 ans. Bon, on va les niquer, hein. On va aider les. Et revenons à niquer du nazi parce que là c'est plus possible. Tout à l'heure je vous ai laissé la cinématique, la phase de script plutôt s'est passée. Ouais mon ami, ça a résisté. Je t'abrase une mort plus violente. Par contre là, putain, mais le cracheur de feu, en fait c'était un boss carrément. Un des premiers boss du jeu. Hein. Zombie cracheur de feu. Donc là, prenez ça, bon enculé! T'es dead. Mais cette arme en fait elle est pas super efficace quoi. Quand on y repense. Toi, je vise les pieds parce que t'es un gros enculé. Je prends les grenades et les music kits. Allez, on trace cette fois. On se pose pas de questions. On trace, on trace, on trace. Toi là-bas. Je vais te rusher comme un porc. Hop. Vous derrière. Aussi. Tiens. On a pas tout fait au moins. Mais putain, mais... Attendez, hop, toi je te saute sur la tête. Saute-mouton. Il t'a accroupi. Bordel, mais c'est pas possible. Je vais prendre le fusil de sniper, parce que là... Il commence à me péter les couilles, avec un fusil d'assaut. Ok, d'accord, Big Leland. Ok, en gros, ça leur fait rien du tout. Alors là, je comprends plus rien. J'essaie de tirer avec parcimonie. Pas que l'arme chauffe. C'est hallucinant quand même là, je sais pas ce qui s'est passé, je lui ai tiré je l'ai foulé quoi, comme on dit dans Counter-Strike, je l'ai bourriné avec mon arme d'assaut et il a reçu aucune balle quoi. Bah ça on a vu, pourquoi je m'arrête là, en plus on l'a déjà vu. Et je rush, je rush, je rush. Donc là je sais qu'il y en a deux qui vont... Ah lui carrément il avait le casque, j'avais pas remarqué, il a un casque de nazi sur la tête. Par contre, là, le truc qui va pas, il est tombé à terre, mais il a pas explosé. Je sais qu'il serait là, ces enculés. Ah voilà, donc on peut le faire avec le pied comme un teubé. Moi, je gaspillais des balles. Donc là, on avait dit. Ah oui, ici. Apparemment, on ne peut pas activer. Attendez, est-ce que j'ai activé le truc à travers? C'est bizarre le bruit là. Non, non, on n'a pas activé. Allez, on saute. Ah! Hop, coup de pied dans la gueule. Je sais qu'il y a des zombies. Et revenant. J'essaie de pas les niquer, tiens, on va speeder. Hop. On va voir s'ils peuvent sauter, tiens. On va voir l'intelligence artificielle des zombies. Ah oui, mais ils peuvent nous attaquer de loin, par contre. Allez, et si je descends après, ça risque de... On va les niquer au sniper, tiens. Je crois que là, ils sont complètement bloqués. C'est bien ce que je m'en doutais. Ils font le moonwalk. Allez, ils font le moonwalk. Ah, t'as une sale gueule, par contre. Hein, Même si tu ressembles un peu à Michael Jackson, avec ton nez un peu... C'est méchant, en plus. C'est pas sympa. Voilà, il est pas mort, je m'en doutais. Là, t'es mort. Il sort ou pas l'autre qui était à terre? Bon, je sais pas. Allez, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Il est là, en plus, t'es pas mort, c'est parce que je m'en doutais. Quoi? Énorme! Il y a un bug, je crois. C'est énorme! Alors, est-ce qu'il est... Ouais, c'est bien ça, c'est un bug, c'est énorme. Allez, il est totalement bugué.
En fait, regardez, il me suit, hein? Mais il est totalement buggé. Mais regardez-moi ça, il est totalement buggé. Putain, mais... Quoi? Alors là, je comprends pas du tout ce qui se passe. Il est bloqué, en fait. Ah, mais voilà, j'ai buté. Ah, le vieux bug de merde, quoi. Le vrai vieux bug de merde, quoi. Bref. Ça prouve que le jeu... Pourquoi j'ai pas activé ce qui est en bas? J'ai pas... C'est bizarre. Non, je l'active. Là, je vais me faire harceler en bas. Ouais, le vieux bug de merde, hein. Ça prouve bien que le jeu il est parfois buggé. C'est ça, la magie du let's play, des jeux que je fais en direct, souvent. Alors là, je sais qu'il y en a un juste là. Voilà. Je peux le faire maintenant. J'aime bien la magie des jeux quand on... des vidéos, plutôt, quand on les fait en direct. Ça vous montre le jeu tel qu'il est réellement, quoi. Voilà, on peut pas faire de montage. Toi, est-ce que c'est enculé? C'est parti intime. Je sais pas si t'as encore des parties intimes toi. Mais voilà, ça prouve, ça montre bien les jeux tels qu'ils sont, buggés ou non. Et là, il y a un vieux bug de merde. Ça prouve bien que il a quelques petits bugs. Même si c'est un excellent jeu, attention. Moi, franchement, je prends du plaisir à le faire. Il a l'air énorme. Il a l'air énorme. Il est énorme. Parce que pour le moment, j'ai pas été déçu, mais on verra par la suite. Je trouve que ces phases-là dans les catacombes, bon, bah, ça a l'air un peu... Ça change par rapport, c'est varié, donc c'est plutôt pas mal. Même si je suis un peu déçu par les revenants, qui je pensais qu'ils allaient être des zombies qui nous harcèlent et tout. Bon, apparemment ils sont très lents et tout. À part le boss, là, le cracheur de feu, il m'a bien niqué la gueule. J'ai bien aimé les effets de flamme aussi. On avait dit que c'était ici. Ah oui, ils sont tombés. C'est vrai qu'ils sont tombés. Tiens, encore une deuxième fois, je me fais avoir. Hein. Ça m'a surpris une si bonne fois. Ah, pas mal cette arme, même si elle réchauffe. Faut l'utiliser avec parcimonie. Je disais ouais, ça varie, c'est pas mal ces phases dans les catacombes. Mais un peu déçu des zombies qui sont super. Bon là on fait quoi là? Oui, on avait dit qu'il fallait qu'on attende que les autres apparaissent. Ah oui ouais, effectivement vous les avez vus les. Putain, il y en avait un second, je pense. Ah, effectivement on le voit. Quand on tire sur leur bouclier, ils peuvent nous renvoyer nos balles. Putain, t'es derrière moi enculé. Pas un bruit. T'as accroupi. L'enfoiré. L'enfoiros. Bon, on avance, allez. Cette fois-ci, on fait pas des boulets. Ah oui, eux, ils nous attaquent donc. On se pose pas de questions. C'est bon, il est mort. Ils sont moins résistants, mais ils font plus mal les... Je trouve les nazis. Putain, pourquoi je recharge et j'y vais? Putain, quel con. Il va sortir ou pas? Ça, c'est là. Là, elle a l'air pas mal cette arme quand même. L'arme que nous a refilé notre ami anglais lors de la première vidéo. Et pourquoi ici je lag, putain? C'est un truc de dingue. Quand je viens ici, je lag, putain. Oh là là. Je devrais essayer de les niquer avec le pied, vu qu'ils sont super lents. Peut-être qu'avec le pied, on va essayer, tiens. Ah bah ouais, c'est efficace, tiens. Ça m'évitera de gaspiller, vu qu'ils ne peuvent pas tirer de projectiles. Là, je ramasse le journal et des medikits. Voilà. Vu qu'ils sont pas très... Mais... Ah, par contre... Oh non, eux, ils sont plus chauds, quoi. Ils sont chauds par rapport aux autres. Voilà, c'est bon, t'es dead. Voilà, il y a quoi? Absolument rien. Ici, derrière, je sais qu'il y a des bons petits trucs. Des medikits, au moins. J'ai que 80 points de vie. 83. Ça m'a pas remis full, je prends les grenades. Ah oui, je suis full grenade. Par contre, il me faut impérativement utiliser mes grenades. Ça, c'est un impératif contre le boss. Et, par contre, j'ai de la TNT. Tiens. Je vais essayer un coup de TNT. Ouais, j'en ai que deux, quoi. Ouais, j'en ai que deux. On va pas utiliser la TNT, on va la garder. Si on en a peu, c'est que c'est très efficace. Faisons comme ça dans les jeux vidéo. Quand on a très peu une arme, très peu de munitions ou un truc comme ça. Putain! Putain, ça peut nous griller ce truc, bordel, je savais même pas. Ici, y a quoi? Est-ce qu'on peut péter? Non, rien. Quand on a une arme avec très peu de munitions, généralement c'est la plus puissante. Donc la TNT, je vais la garder de côté. Hop, avant qu'il nous balance ses crânes là. Y a quoi en haut? On avait dit qu'il y a des medikits, voilà, c'est génial. Ah oui, nous. Je m'en rappelle, toi t'es là, enculé. On a quand même touché l'enflure. Je suis obligé d'aller reprendre un medikit. Je peux pas en garder un seul de côté. Ah ouais. Toi. Un coup de pied, putain, j'ai bien sûr. Oh!
Ah putain, il y a un truc à ramasser apparemment. Mais quoi? Ouais. Alors, un coup de... Coup de pied. Bah, y'a bataille. Y'a bataille, enculé. C'est bon, t'es dead. T'es bien quand même touché, hein. Il m'a enlevé des points de vie, même si c'est... Ça s'est pas vu, mais regardez en bas. Apparemment, j'ai ouvert la porte qui est là-bas. Il m'a enlevé des points de vie, cet enfoiré. Alors là, j'entends les coups de feu. Ah, tout à l'heure, je suis passé par où? Par ici ou par là? Je sais même plus par où je suis passé. Si je prends des munitions pour le... Ah bah c'est de l'autre côté en fait, c'était pareil. Donc je vais préparer des grenades d'entrée de jeu. Je vais faire une petite save surtout. Oui, je suis fou. Comme ça, ça nous permettra de ne pas se retaper tout. Ouais, une petite save. Je vais commencer par les grenades ou la TNT? Tiens, je vais commencer par la TNT. Alors, on voit. Comment ça se passe quand on la balance? Putain, ah non, elle se pose. Ah mais merde, d'abord il y a eux, mais quel con. Oh putain, l'explosion elle est énorme. Ça a explosé les mecs qui étaient à côté. Ah effectivement, c'est bien ce que je disais, l'arme est super. Ah, par contre là, c'est une mauvaise idée de faire le sniper, moi je l'ai buté. Coup de pied, elle est super puissante la TNT. Truc de fou, bon bah je vais... Ah ouais, donc tu sors de là. Minuterie de la charge réglée à 10 minutes, 10 secondes. Ah mais putain, en fait on peut régler la minuterie et quand on reste appuyé... Putain, j'ai mis à 10 secondes. Ah ouais d'accord. Elle est juste... Putain, par contre, il y en a un autre. Elle est juste sur over cheatée quoi, la TNT quoi. Ah mais en fait en plus on pouvait régler la minuterie. Quand on reste appuyé, on pouvait mettre de 5 à 10 secondes. J'ai vu ça. Putain, c'est énorme ça. Ouais, je l'ai niqué en un coup J'ai bien envie de... Parce que là j'ai gaspillé la TNT. Pour rien, la première... J'ai bien envie de recommencer. Est-ce que je recommence? Oh, allez, je recommence pas. C'est pas grave, il doit y avoir sûrement de l'autre TNT ici, il y avait un interrupteur. Je l'ai vu. Ça m'ouvre les portes. Génial. Est-ce que ça m'ouvre la porte là-bas? Super. Ok. Ah bah on a fini le niveau en plus. Allez, c'est super. On a fini ce niveau. Premier niveau fini. On va continuer, on va pas s'arrêter là. La vidéo est pas assez... Voilà, comme les deux premières vidéos, on fait deux niveaux à chaque fois par vidéo à peu près. Si on peut faire trois, si on peut en faire trois, on fera trois vidéos. Hein. Mais d'ici là, rien du tout. Je dis un peu du caca. Allez, je ferme ma gueule et j'appuie. Objectif de la mission. Atteindre l'entrée de l'église de Wolfsburg par les catacombes. Je n'ai pas fait allemand première langue. Vous l'avez deviné. Oh, tiens. Des nazis, tiens, je vais t'aider à niquer ici. Hop, encore dans les catacombes. Bon, on va les laisser sniquer entre eux. Bon, apparemment, il est venu. C'est vrai que les boutiers sont super chers. Lui, apparemment, je dois niquer vite fait. C'est étrange. Voilà, des musiques, génial, des balles. Voilà, je suis dégoûté, j'ai gaspillé un pain de TNT pour rien tout à l'heure. C'est pas grave, allez. Dead. Allez, hop, je te nique. Ah putain! Enculé de nazis. Alors là, je bats contre des nazis et des revenants. Super. En tout cas, c'est plaisant. Les décors sont plaisants, c'est joli. L'ambiance est... Oh putain, qu'est-ce que c'est ça? Un revenant qui est juste ici. Est-ce qu'on peut péter ça? Ça bouge. Non, c'est l'ambiance est plutôt fameuse. J'aime bien cette ambiance. Et ça varie le gameplay. Le jeu plutôt pour le gameplay, mais c'est super. Là-bas, lui. Oh là là, il y a un second avec le feu. Ah ouais, d'accord. Donc c'était pas un boss. Ah, c'est bon, ils l'ont buté. Par contre, vous, désolé. Ah, non, non, on aurait dit. Attendez, occupez-vous de lui, allez-y. Oh, putain, là, je vais faire gaffe avec cet enculé. En fait, c'est pas des, c'est pas un boss. En fait, c'est des ennemis de base. Ils sont super chauds. Hein. J'ai vraiment gaspillé de la TNT pour rien tout à l'heure. Ah, il est accompagné d'un mec avec le bouclier. J'espère qu'il n'y a personne derrière. Bon, heureusement qu'ils sont super... Ah ouais, d'accord. Alors, eux... Mais en fait, c'est des zombies de base. Mais, putain, mais je comprends pas, là. Je lui tire dessus, sur les pieds, putain. En fait, c'est des zombies de base, mais qui ont une auréole de feu tout autour d'eux et qui peuvent cracher du feu. Ok, d'accord. Donc j'ai vraiment gaspillé la TNT pour rien alors qu'elle était super puissante.
Ouais, bon, c'est pas grave, est-ce qu'on peut péter ça? Je m'en doutais. Putain, ça me conduit tout. Ah, c'est énorme! Ah, le vieux fail pourri, quoi. Ah, je m'en doutais, je m'en doutais. Franchement, je m'en doutais. On recommence vraiment au début du niveau. Allez, vas-y, fais-toi niquer, toi. Et donc, il se retourne, il sait plus qui attaquer. Ok, je les ai niqués les deux. Zombie et nazi. Ah, le vieux fail de merde. Donc là, c'était un piège. Pas mal, pas mal. J'ai bien aimé. Faut vraiment faire attention, il y a des pièges un peu partout. Putain. Rabou, pourtant, il m'a bien niqué la gueule, cet enfoiré. On continue. Hein. Pas grand chose à dire. Je découvre en même temps que vous. Et pour le moment, franchement, le jeu. Je kiffe. Alors ici il va sortir, donc il y en a un juste là. On va s'occuper de lui. Normalement il y en a un. On va essayer de le faire au cac. Putain mais alors dès qu'on s'approche de lui avec son crâne, ses crânes nous touchent quand même, donc bon. Ça fait super mal, j'ai plus beaucoup de points de vie. J'aurais pas dû faire ça. Là, on va avancer. Putain mais il se retourne pour m'attaquer quoi. Génial! Alors qu'il a 2 cm de vie, il y a des zombies cracheurs de feu. Des revenants cracheurs de feu. Petit lag, désolé, hein. C'est une aberration ce lag. Je comprends pas du tout pourquoi je lag. Si quelqu'un dans les commentaires sait comment régler Fraps pour éviter des lags, j'ai une très très bonne config, donc je peux comprendre quand on a une petite config en capturant, en jouant en même temps, ça lag. Putain, mais là il nous fait la danse du feu là, putain l'enculé. Ah l'enfoiré, il m'a bien niqué. Donc je disais, ouais, si quelqu'un sait la configuration. Putain, mais c'est pas vrai, je même pas les attaquer au cac. Voilà, putain. Ah ok, d'accord, alors je me fais enflammer, je comprends même pas pourquoi. Super, putain. C'est génial, on va sprinter là, allez hop, je tue les atouts sprint. Putain, j'ai plus que 31 points de vie. Je me disais, ouais, c'est... Attends, alors là, avant de parler, je vais faire attention. Coup de pied, je recule. Coup de pied. Hop, un piège. Apparemment, ça doit être une salle secrète, je suis sûr. Ou un truc du genre. Est-ce qu'on descend? Allez, on descend. Ouais, si quelqu'un sait comment configurer Fraps avec un bon PC pour pas que ça lag, qu'il me laisse ça dans les commentaires ou sur Facebook. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, là, il faut se mettre accroupi, tiens. Petit passage secret, y aurait-il des medikits, s'il vous plaît? Tiens. Un tombeau ouvert. Vous avez découvert une zone secrète, c'est bien ce que je pensais. Donc, ouais. Ah, génial, on fait le plein. Hop, et une petite save. Comme ça, on n'aura pas de problème. Pour revenir, alors attendez avant d'ouvrir ça, vraiment ça. Pourquoi il y a une icône pour ouvrir la porte alors qu'on ne peut pas l'ouvrir? Ça, c'est complètement con. Voilà, ça, j'ai ouvert. Pardon, j'ai ouvert cette porte. Est-ce qu'il y a quoi dans ce truc? Je suis sûr qu'on peut faire un truc avec ça. C'est bizarre. Hein, bon, c'est pas grave. Faudrait que j'utilise aussi les grenades, je les utilise pas beaucoup. Faudrait que je les utilise. Je suis toujours full grenade. Et elles sont bien efficaces si on sait bien les gérer parce qu'elles elles sont retard à... elles sont pas à explosion immédiate en fait, elles ont un retardateur. Donc faut bien les gérer. Faut rester appuyé un peu quelques secondes en évitant de se niquer la gueule soi-même. C'est important. Alors là, absolument rien. Ici, il y a un renfoncement avec une main. On appuie. C'est génial. Merci. Et hop, j'ai bien envie de les niquer avec les pieds. Non, eux non. Eux, on a dit, ils nous envoient leur crâne. Et par contre, mon arme qui chauffe, c'est pas efficace. Ok, eux, c'est invincible zombie, quoi. Mais regardez-moi, il y a des bugs. C'est énorme, regardez, regardez, regardez. Regardez ça, il y avait un bug énorme. Putain, alors là, l'intelligence artificielle, autant je l'ai encensé. Autant là, je trouve qu'elle est complètement pourrable. Ok, invincible zombie. C'est hallucinant l'invisibilité de ces zombies, quoi. Et là, il y a quoi? Pourquoi ça s'est pété alors qu'il n'y avait rien du tout? Putain, en plus, je me suis bien fait toucher la gueule. Bien comme il faut. On fait quoi, là, maintenant? Bien, c'est génial. C'est bien tout ce que vous avez fait, mais qu'est-ce qu'il faut faire là? Absolument rien à faire ici, rien là. Ok, d'accord.
pas de truc à péter, pas de truc à péter. Ouh là là, je sens qu'on va être perdu les mecs. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? On peut pas descendre en bas. Pas moyen de descendre, non. Si, si on descend. Tiens, on est en dessous du pont là. C'est de là où on vient, je crois. Je suis en train de faire un gros... Ouais, c'est exactement ça. Je fais un gros retour là. Donc, il n'y a absolument rien ici. Ah tiens, il y a un truc ouvert par là. Sûrement ça que j'ai dû ouvrir parce que tout à l'heure c'était fermé, je pense. Alors, allons voir ce qui se passe. Ouais, c'est exactement par là, je pense. J'espère qu'on va pas être perdu comme dans la seconde vidéo. Hein. On a galéré comme des porcs. C'est bien cet effet de brume, de brouillard là. Franchement, je trouve ça super beau. Le jeu a un cachet. Par contre, là, on entend des bruits bizarres. Oh putain. Oh, ils sortent du sol, c'est génial. Style Resident Evil. Par contre, là, on va pas les laisser se relever. Allez. Oh putain, pas eux. Oh putain, j'ai pris beaucoup de points de vie. Ils m'ont bien niqué la gueule avec leur crâne. Mais comment on évite ces putains de crânes qu'on les voit même pas venir? C'est bon. Il y en aura d'autres. On les voit même pas, ils sont tellement transparents. Comment on ouvre cette porte? C'est bon. Ah ok, d'accord. Putain, il me reste plus 4 points de vie. Génial, ça, j'adore. Comment tu pouvais deviner qu'ils étaient derrière la porte, quoi? On va laisser faire les zombies. Hein. Allez, niquez-le. Hop, comme ça, vous vous niquez entre vous. C'est génial, tu bouges pas, reste comme ça. Putain, mais en fait, cette arme que j'ai là, elle sert strictement à rien contre les zombies. Ok, pas de medikit, putain. Alors là, je vais faire extrêmement attention. Allez, viens, toi, je t'ai vu. Allez, viens, c'est énorme. Allez, reste debout. Reste de profil. Tu me montres pas ton bouclier. Ok, d'accord. Alors, je vise le pied et je me fais niquer. Enfin, j'adore mourir, mais bêtement comme ça, quoi. Un truc totalement illogique. Elles sont ouais, les zombies sont un peu pour assez un peu déçus des zombies là. Je sais pas, leur façon de les buter est un peu pour franchement, je trouve. Le fait d'éviter leur bouclier. Putain, qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce qu'il a, il est déchaîné là, putain. Et lui, je le nique en deux coups, on comprend pas trop pourquoi, peut-être que parce que c'est lui qui l'a niqué, mais voilà. Le fait est qu'il faut viser le bouclier pour les pas viser le bouclier pour pas se faire niquer, mais putain, mais t'as d'où tu sors? Oh là là! Ouh, ça commence à me lourder ça. Jusqu'à là, tout se passait bien, le let's play, pas de mort ni rien, et là, arrivé à la crypte, je fais n'importe quoi, je fais le boulet. Allez, toi tu sors. Allez, hop, tu dead. Putain, ces crânes de merde, on les voit même pas venir. Putain! C'est génial. Vas-y, t'as le zombie à côté de toi. Pourquoi tu me niques à moi? Putain! Nazi de merde, quoi. Et hop. Super, les zombies se tuent entre eux. On va leur jeter une grenade dans la gueule. Et super. Big fail. Ok, d'accord, j'adore les grenades qui ne servent à rien, alors je veux... putain, alors l'efficacité des grenades, zéro, quoi. C'est bon, t'es pas dead, toi? Putain, il nous fait la danse du feu, lui. C'est bon pour un drac au feu. Mais putain, mais j'ai évité les femmes! Ouh là là là, je sens que cette troisième partie de Let's Play va commencer à me lourder bien sévère. Ici, on avait dit, attendez... Y'a ça là. Allez hop, tombe. On peut se regarder, les salauds, ils l'ont bien fait en en retard. T'es tombé ou pas? Allez hop. Voilà, tu descends. Là, je sais qu'il y a des medikits. Et... plein de bonnes choses. Super. Allez hop, t'actionnes le levier. Et tu continues tout droit. Non, autant les décors et l'ambiance des catacombes ont l'air pas mal. Mais en fait, attendez, cette pièce-là, j'ai même pas besoin d'y aller. Hein. Je vais prendre le medikit et je me casse. C'est un gros piège, en fait. Faut juste descendre, comme ça.
Ouais, voilà, donc ça servait strictement à rien ce que j'ai fait tout à l'heure. Je disais ouais, autant les niveaux. Je sais même plus c'est par où quoi. Par où est-ce qu'il faut aller tu... non, attendez, ouais, non, c'est là, c'est le début. Je disais oui, autant les niveaux sont. Alors l'ambiance des catacombes a l'air pas mal, mais les zombies, je suis un peu déçu là. Un peu bizarre de la manière dont. Attendez, on peut pas. Ah oui, mais donc on est obligé de faire ce que j'ai fait pour activer la sortie, mais quel con. Ouais, les zombies pas tip top. Pour le moment en tout cas. S'il y en a d'autres qui sont mieux. Est-ce qu'on peut tracer direct là? Je suis pas obligé de me battre contre eux. Hein. C'est totalement con ça. C'est par où par contre? Mais non mais. Et où est-ce qu'on était tout à l'heure, bordel de merde? Voilà, on est perdu, c'est génial. Non, là c'est le spawn en fait, c'est là où on a commencé. Donc on arrive, là il n'y a absolument rien, ni à gauche ni à droite. Là c'est le passage secret. Là où est-ce qu'on sort? Si on active le truc. Tout à l'heure je suis passé par là. Mais c'est par là, mais je l'ai même pas vu. Mais quel bigleux! Mais quel bigleux! Oh mon dieu, je suis désolé. Ah, j'espère qu'au moins on va pas être perdu comme dans le Let's Play partie 2 là, parce que. Sinon, on va pas s'en sortir. Alors, petite save là, parce que j'en ai ras le cul de recommencer. Par contre, je vais prendre. C'est la quête la plus efficace. Tenez, je vais prendre. On va prendre les grenades. Et on va leur balancer directement. On arrive là. Le script se lance. En fait, faut faire mine d'ouvrir la porte. Allez, génial. Hop. Allez, boum. J'en ai niqué qu'un seul bordel. Voilà, et celui-là, non pas l'handicapé s'il te plaît, pas l'handicapé, prends la bonne arme, merci. Coup de pied pour économiser, non pas les crânes, hop, tu disparais. C'est bon? Ou il y en aura d'autres? Non, ah oui, c'est là, on avait dit qu'il y avait, putain j'ai complètement oublié. Putain j'ai failli oublier ces nazis en fait. Allez, tuez-vous entre vous, c'est la fête. Nous on regarde. C'est génial. Allez, hop, hop, hop. Niquez-le. Putain de zombies à armure. Allez, la manière dont. Putain, la manière pour les tuer est vraiment chelou, quoi. Mais bon, en même temps. Voilà, moi j'aime pas trop. Je trouve ça un peu bizarre en tout cas. Parfois on vise les jambes et ça marche pas forcément bien. Bon. C'est peut-être moi qui joue mal, hein. Allez, je l'ai visé à travers son bouclier. À pas prendre en compte mon avis sur le jeu pour le moment. Attention, hein, quand je vous dis que les zombies sont nuls, peut-être que juste moi qui sais pas bien y prendre. Parce que là, on est en pleine découverte, donc bon. Voilà, c'est pas un test. Je découvre en même temps, donc voilà. Si parfois je pèse sur le jeu, etc. C'est pas mon avis définitif. Dès que je serai à tête reposée, dès que je finirai le jeu, là j'aurai un avis plus posé, plus calme. Alors là, ça sent le gros labyrinthe de la mort qui tue tout. Hein. À la Return to Castle Wolfenstein, à la Wolfenstein 3D plutôt, son ancêtre, son aîné. Donc bon, on va prendre à gauche. Allez, hop. C'est énorme. Le vieux fail de merde quoi. Bon, on va prendre à gauche et là je me fais niquer la gueule. Ça devait, voilà, ça devait arriver avec ma malchance habituelle. Hein. Bon, heureusement que j'ai sauvegardé. On va faire une petite save, une charge plutôt, charger. C'est ici que ça se passe, charger. Ah mais la malchance quoi. Putain cette vidéo c'est, elle est sous le signe de la malchance. Alors ici, on avait dit qu'il y aurait des zombies. Qu'on va à gauche et boum, on tombe. Fallait bien que ça arrive. Hein. Bon, allez, sortez de vos trous là! Hop. Voilà, 4 secondes. 1, 2, 3. Ok, d'accord. Oh non, c'est énorme. Voilà. Ça devait arriver. Hein. Parce que, regardez, la première vidéo, je suis pas mort une fois, la seconde non plus. Et dans celle-ci, j'ai dû mourir une bonne dizaine de fois là, depuis qu'on a commencé. Donc, ouais, ça devait arriver. Alors, j'ai remarqué un petit bug dès qu'on meurt et qu'on revient. L'arme n'apparaît pas, donc il faut changer d'arme pour que l'arme revienne. Un petit bug apparemment. Il y a quelques petits bugs aussi dans le jeu. Mais bon, pas très méchant. Voilà.
En gros, il faut rester 4 secondes, je disais, avant de balancer la grenade, et je suis resté avec la grenade à la main. Ce qui est assez con. 2. Hop. 2. 3. 4. Voilà. 2. 3. Boum les deux. Oh, le Zoli Strike. Quoi, il est pas mort? Alors là, c'est du n'importe quoi. Pourquoi t'es resté en vie, toi? Alors là, hyper à gaffe, parce que quand on va ouvrir la porte, les nazis vont venir. Allez. Ah, lui, je l'ai buté. Ouais, lui, il va se battre avec les derniers zombies. Il va bien les affaiblir, allez. Go. Affaiblis-les, allez. Allez. Donc ce qui est bien, c'est que là, on peut interagir sur le script. Hein. Moi, c'est ce que j'aime bien sur les... Dans les FPS, je parlais de ça avec certaines personnes il n'y a pas longtemps. Tu sais quoi, les FPS très scriptés, style Call of Duty, etc. Ça m'intéressait pas trop. Quand on est passif au script et qu'il y en a énormément... Putain, j'ai oublié quel con... Quand on est passif au script et qu'on est forcé de le regarder sans pouvoir interagir, c'est très relou. Mais tu vas sortir de ta planque, pourquoi tu te planques, putain? Il a une soupçon d'intelligence, lui, il se planque. Ça fait... plus chier qu'autre chose, voilà. C'est bon. Je disais, ouais, quand t'es comme dans les Call of Duty, il y a énormément de scripts, ça devient très chiant. Donc, ce genre d'FPS, généralement, me font chier et m'intéresse pas. Mais ce qu'ici, dans Wolfenstein, Return to Castle Wolfenstein, ces scripts-là, on peut directement interagir avec ces scripts. Regardez, il y avait une trou énorme, on l'avait pas vu. Avec des pics. Je vais faire une petite save là, j'ai pas envie de me retaper la phase avec les zombies. Avec les, ouais, qui sortent du truc. Une petite save là. On fait beaucoup. Soyons prudents. Alors. Vu que là il y a une trappe, mais je vais quand même sauter, je vais quand même prendre à gauche, j'avais dit à gauche. Je suis têtu. Il y a un levier en plus. Bon, je pense qu'il ne faut pas être têtu dans le jeu. J'ai voulu. Ah, c'est énorme, les morts les plus ridicules dans le jeu, c'est moi qui les ai faites, je crois. Vous allez voir les vidéos d'autres testeurs sur le net. Je parie qu'ils sont pas morts comme ça. Moi, je meurs comme un con. Je voulais absolument appuyer sur ce putain de levier. Voilà, j'ai été puni. Par contre, ça me fait peur. Pourquoi je commence de là? J'ai fait une petite save. Juste après, hein. Quick save. Chargé. C'est juste après. Voilà. Attends, ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas trop de temps de chargement. Alors, à gauche, c'est maudit. C'est pas la peine d'y aller. Allez, c'est à droite. Que c'est tout aussi maudit que la gauche. Ouh, je vois le piège arriver là. C'est un peu un piège à la Prince of Persia. Avec des lames qui vont sortir de ces trucs ou des flèches ou des trucs comme ça. Et ici. Ah, je m'en doutais. En plus, c'est énorme. On peut activer le piège quoi, juste avant. Je m'en doutais de ces lames. Attendez. J'appuie, je recule là. Hop. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Je m'attendais à ce piège un peu traître et on va sauter là carrément. J'active le levier et là je vais activer. Oh putain! Ah ouais, d'accord, donc faut faire super gaffe quoi au piège. Ah merde! Ouh! Et heureusement que je vais vite passer parce que celle-ci elle a l'air d'être. Ah, en plus elle se désactive donc faire très attention. Bon, j'ai réussi ce passage là. Ici, alors peut-être qu'il faut activer le levier, on sait pas. Tiens, un truc ici, bizarre. Ça fait rien du tout. Allez, on continue. Oh putain! Que c'est que ce bordel? Bordel. Ah, voilà le piège, quoi. En gros, faut passer maintenant. Et faut s'en aller. Oh, mais le bruit que ça fait, ce truc, c'est énorme, quoi. Ça me pète les oreilles. Ok, j'active un levier. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être qu'il faut activer les trois leviers. Mais oui, c'est ça. C'est forcément ça. Ah, mais regardez, ça a baissé le pylône, en fait. Ouais, donc il faut activer trois leviers. Donc là, il faut que je saute, il faut que j'aille vite, une petite sève. Ouais, il recommence. Putain, mais ce bruit, il est énorme, ce truc-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les bruiteurs du jeu? Hop, j'active, je m'en vais. Oh putain, il faut aller super vite, quoi, en plus. Et voilà, ça a baissé le pylône central. Donc ici, il remonte. Ah, pas mal, pas mal, ces phases de... Putain, mais ce bruit, il est limite flippant. Pas mal ces phases à la Tomb Raider, quoi. Alors, même si on est mort bêtement la première fois. Donc, ça prouve bien que je découvre le jeu en même temps. Attention, ça sent le piège.
Y a-t-il pas un autre piège? Je me méfie maintenant. Hein. Oula, les zombies qui sont sortis, non? Ah oui, il y en a là. Oh putain, putain, pourquoi parfois je les tue d'un coup pour faire... Non, peut-être qu'il faut viser la tête. Hein. Ah ouais, je pense que c'est comme pour les nazis en fait. Localisation des dégâts. Tiens, un truc à péter, ou un truc à activer. Absolument rien. Peut-être que c'est une porte qui est fermée, qu'il faut... faut lui trouver son levier elle aussi. Ah putain, un petit freeze. Merci, Fraps. Donc, ouais. Combien que j'ai découvert le jeu en même temps que vous. Franchement, j'aime bien. Je me répète depuis tout à l'heure. Tiens, la porte s'est fermée derrière moi. J'aime bien ces phases en catacombe. Petite save. Toujours prudent. Oulala, ça sent la grosse pièce où il y a le boss là. Un boss ou un truc du genre, ou un truc énorme. Ah, le thème musical a changé. Oh putain, qu'est-ce que c'est ça? C'est le Saint Graal ou quoi? C'est quoi? Trésor. Oh putain. Wow. Putain, est-ce qu'on pouvait se faire niquer avec ça? Allez, super les cracheurs de feu que je déteste. Une horde de zombies en armure. Donc là, est-ce qu'on peut viser le crâne? On peut pas. Putain, super. Bon, grenade. Allez, grenade. Putain, mais ça met 2 heures. Ça... En fait, c'est pas les zombies cracheurs de feu. En fait, il y a un mur. Le mur crache du feu en fait, c'est ça? Les statuettes? Oh putain non, je me suis enflé. Je me suis brûlé la gueule, super. Hop, prenez-vous ça! Ah, ils sont super lents en fait. 2, 3. Ah ok, d'accord, donc monsieur est invincible. Monsieur a décidé de bouger. Bon ok, d'accord. Ok, il y a un petit bug, on n'a pas entendu le coup de feu. En fait, j'ai essayé de les contourner. Ah ouais, donc ils se tournent et tout, donc super. Oui, de l'autre. Putain, faut que je fasse gaffe avec ces statuettes qui sont du feu là. En fait, il n'y a que... même leurs jambes, on peut pas les toucher en fait. Allez, hop, on va l'exciter un peu, voilà. En fait, j'ai compris un peu la technique. Faut les exciter pour qu'ils nous attaquent. Bon, par contre, là, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est fermé derrière moi. Oh putain. Oh putain, qu'est-ce qui se passe là? Un tremblement de terre, un éboulement. Apparemment, il y a le sol qui va. Ah ouais, oh, ok, d'accord. Putain, le sol. Ah, c'est super bien fait l'effet là. Et le sol qui s'est fissuré sous nos pas. Un truc qui est sorti de là ou je ne sais quoi. Mais c'est. L'effet de fissure du sol est super bien fait quoi. Toujours, hein, évidemment, hein, faut se mettre dans l'époque, hein, contexte de l'époque, faut pas juger. T'as des caisses nazies, vraiment c'est ici que les nazis, et des projecteurs aussi, fait leurs expériences douteuses. Une porte, attention, faut toujours faire gaffe, maintenant je fais attention à chaque fois que j'ouvre une porte ici, il y a quoi? Enfin, ici on peut pas l'ouvrir, donc bon, c'était bien, bel et bien par là-bas qu'il fallait que j'aille, donc j'ouvre la porte. Ah bah c'est la fin du niveau. Est-ce qu'on s'arrête ici? Ouais allez, ça fait une heure, on va s'arrêter là. Bah voilà, j'espère que la troisième partie vous aura plu. Ce Let's Play partie 3 où on est en plein milieu des catacombes avec cette musique de terreur quand on finit un niveau, ça c'est énorme. Donc j'espère que le niveau des catacombes vous aura plu. On n'a pas fini, on n'est pas encore arrivé à l'église. Tiens, la prochaine mission, on aura quoi à faire? Pénétration dans l'église de Wolfburg. Poursuivre Helga von Blau. Ah oui, c'est la nana qu'on a vue au tout début du jeu, lors de la première partie. C'est elle qui a apparemment dirigé les opérations pour aller dans ces catacombes. Dans la cathédrale en ruine. Et éliminer la garde rapprochée d'Helga von Blau. Apparemment, la prochaine fois qu'on fera une vidéo, ce sera pour éliminer Helga von Blau. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis mort pas mal de fois, donc désolé d'avoir refait quelques fois la zone, mais c'était pas évident que c'est revenant. Donc comme d'habitude, comme est la vidéo, ça fait toujours super plaisir quand j'ai vos avis sur la vidéo. Voilà, sur YouTube en une partie comme d'hab. Et quelques jours plus tard sur Dailymotion avec des montages pour que ça soit moins éprouvant à regarder pour ceux qui préfèrent des coupures pour avoir de longueur dans leurs vidéos. Allez, je vous laisse là et on se dit à la prochaine. Ciao! Alors, que se passe-t-il? Reste...
instant, s'il vous plaît, Oberführer. Est-ce que ça marche? Un peu de patience. Je vous prie, nous travaillons dans des conditions très difficiles. Trêve de bavardage. Dites-moi si, oui ou non, ça va marcher. Au fond, Moulo, combien de fois dois-je vous le répéter? Cette opération est aussi complexe que délicate. Inutile de me presser. Nous ne sommes pas des mécaniciens. Ne prenez pas ce ton condescendant avec moi. Juste un instant. Juste un instant. Vas, quoi? Ya, le processus d'exhumation commence. Ce n'est plus qu'une question de temps. Excellent.